Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, chronique radio pour notre partenaire le journal Le Canard Rebelle et les éditions RIC qui ont lancé mercredi 10 septembre une édition spéciale en soutien au quotidien local Nice Matin. À travers cette chronique RVPB, vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube www.youtube.com/vipradioonline la version dématérialisée de ce Canard Rebelle. Pour vous procurer gratuitement la version papier du journal Le Canard Rebelle et cette édition spéciale soutien à Nice Matin, rendez-vous chez les partenaires du Canard, à savoir le restaurant La Cabane de l'Écaillé à Cagnes-sur-Mer et à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Tabac Presse, le Marinoni à Beaulieu-sur-Mer, la librairie Les Mandarins à Roquebrune-Cap-Martin, la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer, la librairie Le Parchemin à Opio, le restaurant Les Pierres Longues à La Trinité, l'imprimerie Henri à La Trinité, le magazine Les Partageurs d'émotions dans le Var, le Tabac Presse Le Beau à Péménade, Laurent Cabiac avec Pixigraph au 06 52 53 10 51. Bien sûr, notre radio VIP Radio Online qui est également partenaire du Canard Rebelle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors bonjour Patrick Lecointe, partenaire de notre association RVPB pour le Canard Rebelle. Petite chronique aujourd'hui radio concernant le Canard Rebelle en soutien à Nice Matin que tu as mis au point pour septembre 2014. C'est une édition spéciale. Soutenons tous Nice Matin. Avec un historique à l'intérieur de Nice Matin, vous savez qu'ils ont un mauvais passage en ce moment, et avec donc des informations concernant ce qui se passe bien sûr dans la région et le soutien qu'on peut leur faire par internet ou par courrier, ou des témoignages avec une rubrique micro-trottoir. On a interviewé des lecteurs de Nice Matin, dont une dame qui l'achète depuis 1945. Et il est très, très intéressant. Donc on commence la distribution à partir de demain. Mercredi 10 septembre. Absolument. Donc 10h dans chez nos partenaires qu'on remercie, qui nous ont aidés financièrement à sortir donc cette édition spéciale. Sachant qu'on n'est pas subventionné, on est tout à fait indépendant. Et les places des communes, place Masséna, place de Gaulle, Antibes, à Cagnes, les places principales de la région à partir de demain midi. Et une opération qui va se dérouler jusqu'à dimanche midi, voilà, au niveau de la diffusion, la distribution. Voilà, puis les adresses des librairies, on va les donner hein, tout à l'heure, je les donnerai en fin de chronique. Ouais. Bien sûr aussi la Cabane de l'Écaillé qui est partenaire de l'événement. Oui, la Cabane de l'Écaillé qui est partenaire, bien sûr, à la une de chaque canard, chaque édition de notre Canard Rebelle. Qui est quelqu'un qui est très sympathique, qui nous fait confiance, c'est un restaurant à découvrir. Et notamment, donc, c'est lui qui a eu les premiers ce matin pour commencer à distribuer à partir de demain, qu'on peut trouver donc à Cagnes-sur-Mer, voilà, avenue des Oliviers. Il est donc en première page. D'accord. Il faut savoir qu'on a fait un travail énorme pour sortir dans les temps. Puisque c'est maintenant qu'ils ont besoin de soutien Nice Matin plus que jamais. Oui, on en a entendu parler encore ce matin. Voilà. Et je remercie particulièrement Laura, notre petite rédactrice, qui a travaillé le soir tard pour le sortir dans les délais. On a fait un 12 pages très sympathique avec des articles très intéressants. Hein, et bien sûr une petite rubrique catalogue de nos ouvrages, puisque c'est le Canard Rebelle, c'est le journal des auteurs indépendants. Voilà. D'accord. Alors justement, le Canard Rebelle est en ligne hein, sur notre chaîne podcast YouTube VIP Radio Online. Donc les gens peuvent le tomber dessus comme ça en même temps qu'ils nous écoutent. Oui. Et rappelons l'adresse pour soutenir Nice Matin derrière. Alors, pour soutenir Nice Matin, donc... Voilà, parce qu'ils peuvent faire des dons, hein, les gens. Voilà. Alors là, je n'ai pas mes lunettes, je te laisse. C'est Ulule. Par internet, fr.ulule.com/sauvons-nice-matin ou par courrier, chèque à l'ordre de la SCMO Nice Matin, 214 boulevard du Mercantour, 06290, Nice Cedex 3. Voilà. En tout cas, Patrick, merci beaucoup pour... Je voulais dire qu'on remercie nos partenaires, on remercie les éditions RIC, mais surtout tous ces bénévoles qui nous ont aidés à le sortir dans les temps, qui ont fait un beau travail. Jean-Michel...